Erev Tov, bonsoir à toutes, à tous. On est très heureux de se retrouver avec le Chouk Benogro ce soir et avec Gaël Hana Seriro, qui nous a préparé un cours particulier pour nous parler de Tamar, une lumière dans les ténèbres. Voilà, Hana, c'est à toi. Merci, Johan. Très, très heureuse de vous retrouver ce soir pour parler de Tamar et de la naissance du Messie, du Mashiach, au travers d'une sombre histoire, une histoire étrange qui apparaît aussi à un moment vraiment inopportun, comme on va le voir tout de suite. Alors, on aura plusieurs questions à se poser. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Yehuda et Tamar? Qu'est-ce que c'est que cette autre Tamar qui apparaît également dans la Bible, qui apparaît avec le roi David et son fils Avshalom? Est-ce qu'il y aurait un lien entre les deux histoires? Pourquoi est-ce qu'elles portent toutes les deux le même nom? Enfin, plein de questions qui vont se soulever au fur et à mesure du récit. Alors, pour parler de Tamar, il faut évidemment se remettre en mémoire les événements. Alors, l'histoire de Tamar, elle apparaît à un moment clé de l'histoire de Joseph, puisqu'on est dans la parachate Vayeshev, et l'ordre de la paracha commence lorsque Jacob revient en terre de Canaan, Ve'ele Toledot Yaakov. Et comme si l'histoire ne pouvait pas commencer tant que Yaakov n'est pas revenu en Canaan, tant qu'il n'a pas passé toutes ces années chez Lot et chez Lavan, où il a acquis, vous vous rappelez, les mains des Saves qui lui manquaient, puisque la voix était celle de Yaakov, mais il lui fallait encore partir et travailler autant d'années, 14 années, avoir Rachel et Léa pour devenir enfin ce Yaakov Israël, cet être complet aux deux noms. Ce n'est pas un nom qui va remplacer l'autre, ce n'est pas un changement de nom, mais c'est bien deux personnalités entières qui vont constituer son être et qui vont lui permettre d'être le père et bien, des 12 tribus qui vont elles-mêmes constituer tout l'embryon du peuple juif. Et c'est ce qu'on va voir dans cette paracha, c'est une paracha d'embryon justement, c'est une paracha de constitution, c'est une paracha de naissance, et c'est une naissance qui va apparaître dans d'étranges conditions. Donc Jacob est en Canaan, et voilà le texte qui s'ouvre, et les Toledot Yaakov, ce sont les histoires, les engendrements de la famille de Yaakov. Alors, vous savez, l'interprétation de Manitou sur ce mot de Toledot. Toledot, c'est à la fois un temps à travers l'histoire, donc une histoire, comme nous, on a l'habitude de l'entendre et de le comprendre en français, mais Toledot, c'est les engendrements, les fils, les enfants de l'homme, sont sa propre histoire, racontent sa propre histoire à travers le temps. Et c'est pas seulement une histoire qui s'écrit, mais c'est aussi une évolution, une transformation, une mutation qui se traduit à travers ce temps de l'histoire, comme un mûrissement. On va utiliser beaucoup de métaphores autour de la récolte, autour du blé. Vous allez voir pourquoi et en quoi c'est lié à Tamar. Et puis, c'est lié aussi à quelqu'un d'autre qui est lié au Messie. C'est Ruth. Nous allons voir cela au fur et à mesure. Donc, on est à un moment de l'histoire où Joseph a 17 ans. 17 ans, c'est l'âge, vous savez, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans et qu'on a des tilleuls sur la promenade. Alors, Joseph, lui, ce n'est pas des tilleuls qu'il a à ce moment-là, c'est les brebis de son père que ses frères ont l'habitude de travailler dans les champs, d'emmener paître les moutons, etc. Et puis, Joseph aime accompagner ses frères, bien qu'il soit... Le texte ne le dit pas, mais lui, il reste avec son père, il reste dans les tentes de son père, il apprend, et ce sont ses frères qui sont plus âgés, qui s'occupent de tous les travaux difficiles et les travaux physiques. Et au fur et à mesure, la jalousie monte, les tensions montent entre les frères, justement les frères plus âgés qui regardent ce fils préféré, celui qui est toujours choyé. C'est aussi le fils unique de Rachel, la femme, l'aimée de Yaakov, et donc il a tendance à préférer ce fils. Cela va se traduire par cette fameuse tunique coutonnette passim, la tunique aux bandes colorées que son père lui confectionnera.
Donc, le Midrash nous raconte que non seulement il accompagnait de temps en temps ses frères, mais qu'il observait tout ce qui se passait et qu'il rapportait continuellement eh bien, tous les égarements et les errements de ses frères à son père. Il disait, le texte dit, il rapportait, il faisait de la médisance, il disait du lachon hara. Et ce ra de la bouche de Joseph, c'est, propose un Midrash, la raison pour laquelle Joseph va partir en exil. C'est aussi quelque chose qui nous rappelle, alors je ne sais pas si vous étiez au cours que j'avais donné sur Shaoul, on y reviendra, mais on sépare les fils de Rachel et de Léa en fonction de deux missions qu'ils ont à faire sur Terre. Asetov, V, nous. Ah, Johan, t'es là? Au secours. Tourmera. Tourmera, ben c'est top. Merci. Merci beaucoup. Merci. Tourmera, c'est top. Merci beaucoup. Tourmera, ben c'est top. Donc, c'est en général les descendants de Rachel et les descendants de Léa ont chacun leur mission à accomplir sur la terre. Et les descendants de Rachel, c'est justement Asetov, c'est-à-dire faire le bien, tandis que les descendants de Léa, eux, ça sera Tsourmera, se combattre le mal. Et ça va prendre des formes diverses et ça va expliquer pourquoi chaque membre des tribus va devenir telle ou telle chose. On va voir justement la différence qu'il y a entre Joseph et Yehuda. Et pourquoi eh bien, l'un sera le tzaddik, le juif justement de l'exil, celui qui préfigure l'exil, qui vit en exil, qui sait eh bien, attirer autour de lui, transformer les choses en bien, tout ce qui touche, racontera le Midrash, à la bracha, Dieu est avec lui même en exil. Et pourtant, malgré le fait que c'est Joseph qui semble être eh bien, l'exemple à suivre, c'est pourtant Yehuda qui aura le rôle de leader, le rôle de la malchoute, qui va tenir la royauté, parce que justement, lui, c'est cette propension à combattre le mal, à lutter avec le mal. Et nous allons voir cela dans cette histoire. Donc, nos jeunes fils et ce Joseph qui, déjà tout petit, rapporte l'inconduite, les mauvaises conduites de ses frères à son père. Et la jalousie eh bien, qui s'étend, qui augmente. La coutonnette passime, la fameuse tunique qui rajoute encore. Et puis la goutte qui va faire déborder le vase eh bien, quand Joseph va commencer à faire des rêves. Et il ne gardera pas ses rêves pour lui, mais les racontera à ses frères et à son père. Alors vous vous souvenez peut-être, voici les deux rêves de Joseph. Le premier rêve, il dit « Je rêvais de gerbes de blé, nous étions tous en train de faire des gerbes de blé, et voici que moi je faisais ma gerbe de blé, et que vous, autour de moi, toutes vos gerbes de blé s'inclinaient devant la mienne qui était au centre. » Et puis, le deuxième rêve, eh bien je rêvais que le soleil, la lune et 11 étoiles tout autour de moi s'inclinaient également devant moi. Et les frères, en entendant ces rêves, vraiment pensent que Joseph les provoque exprès et attise encore leur envie et leur jalousie. Le père Yaakov va dire à Joseph, va lui dire mais mon fils, tu rêves que ton père et ta mère se prosternent devant toi. Qu'est-ce que tu racontes? Tu devrais garder tes rêves pour toi. Et pourtant, le texte nous dit, et pourtant, Yaakov a gardé fidélité à ses rêves, comme s'il était, dit le Midrash, en attente de voir si les rêves de Joseph vont se réaliser. Il les a gardés quelque part dans son cœur, dans sa tête, et puis il les a laissés là-bas. Et voici maintenant une autre scène. Eh bien, les frères qui sont partis garder les troupeaux à Shrem. Et Yaakov, le père, qui envoie Joseph rejoindre ses frères en lui disant « Va, dit le texte, va voir où en est le shalom, la paix de tes frères et le shalom du troupeau, des troupeaux. »
Et voici quelque chose d'étrange qui n'est pas commenté. J'ai cherché un peu, j'ai pas encore trouvé vraiment d'explication à ça. Mais Joseph part. Et il part, nous dit-on, dans la vallée de Hébron, Emek Hébron, alors que Hébron est située sur la montagne. Donc déjà, on a ici une indication qui n'est pas une indication géographique, mais qui va être plutôt une indication, psychologique, soit déjà métaphysique. C'est peut-être l'exil de Joseph qui commence à ce moment-là où il descend à Hébron. Et puis, voilà, la chose étrange, c'est quand Joseph va arriver à Shrem, où son père lui a dit que ses frères menaient les troupeaux, ils ne seront pas là. Il les cherche à l'endroit habituel, ils ne sont pas là. Et voici qu'il rencontre un homme, donc cet homme apparemment est un ange qui va lui indiquer le chemin et qui va lui dire « Va à Dothan, ils sont là-bas, à Dothan ». Et la seule indication qu'on a, en tout cas, je crois que c'est Rashi qui rapporte justement un Midrash, qui dit « C'est parce que c'est la providence, c'est Dieu lui-même qui met Joseph sur la route de l'exil. » Comme si c'était ce qu'il fallait qu'il se passe, quoi qu'il arrive à ce moment-là. Et là, on est déjà dans une explication qui est de l'ordre de la Kabbale. On va voir plus tard avec Jacob Gordin et avec le Maharal, même justement avec Benno Gross aussi, il parle de ça dans son livre sur le messianisme juif dans la pensée du Maharal de Prague. Mais on reviendra là-dessus après. Donc cet ange qui lui indique le chemin. Si l'ange n'avait pas été là à ce moment-là, pour lui dire « voilà où ils sont », peut-être que Joseph, n'ayant trouvé personne, bien, serait retourné à Bredouille chez son père et rien ne serait passé. On ne serait peut-être pas là. Mais donc voilà, Dieu était là au bon moment, un peu comme le Goël dans l'histoire de Ruth, qui lui aussi, au moment T, est là, au moment où on a besoin de lui. Et pourtant, vous vous souvenez, quand on avait traité l'histoire de Ruth, eh bien, pourtant, à chaque instant, c'est le libre arbitre de chacun qui est en jeu. C'est paradoxal. Mais on reviendra aussi sur le paradoxe après. Donc, on continue l'histoire. Notre Joseph retrouve finalement ses frères à Dothan. Et que faisait-il à ce moment-là? Eh bien, après l'histoire des rêves, c'était vraiment trop. Et voici qu'il commence à comploter et à penser comment se débarrasser de leurs frères, à faire en sorte, dit le Midrash, qu'il se moque. Si nous le faisons disparaître, nous verrons bien si ses rêves vont véritablement ou non se réaliser. Et puis, cet endroit, ce Shrem où Joseph est envoyé, eh bien, c'est toujours une connotation assez sombre dans l'histoire juive, puisque Shrem, eh bien, c'est l'endroit de la catastrophe. Ça va être l'endroit de la vente de David, mais ça va être aussi l'endroit du viol de Dina. C'est l'endroit de la division ensuite du royaume de David. Bien plus proche de nous, c'est l'endroit où les soldats ont été lynchés là-bas à Shrem, vous vous rappelez cette scène terrible. Donc c'est vraiment un endroit où il se passe des choses assez terribles. Et donc les frères ont comploté et voici qu'ils ont décidé de le jeter dans cette citerne, dans ce puits qui est vide. Vide, dit le texte, mais plein, dit le Midrash, de serpents et de scorpions. C'est Réhouven, le fils aîné, qui dit « Nous ne tuons pas notre frère, ne souillons pas notre main avec les sangs de notre frère, de notre chair, mais seulement débarrassons-nous de lui dans cette citerne. » Et puis voilà Yehuda, donc, qui va venir ensuite parler après Réhouven et qui va dire « nous pouvons tirer un gain de ce frère inutile et nuisible. Regardez, voici des marchands, vendons-le. » Et il va être vendu, Yosef va être vendu aux Ishmaélites, qui vont le vendre aux Midianites, qui le vendront eux-mêmes aux Égyptiens, aux Mithrim. Donc, trois ventes en réalité de Joseph. Non pas une fois, mais trois fois. Et le prix de la vente de Joseph, c'était 20 pièces d'argent. Des frères vendent leurs frères pour 20 pièces d'argent. Ne vous inquiétez pas, on va arriver très très vite à Tamar et Yehuda. Donc à partir de ce moment-là, les frères
ont réalisé, n'ont pas encore réalisé ce qu'ils ont fait, puisqu'ils vont après très vite essayer de couvrir cet acte monstrueux en tuant un chevreau. Et avec le sang du chevreau, vous connaissez cette histoire, ils souillent la tunique qu'ils ont arrachée à Yosef et la mouillent du sang du chevreau, puis ensuite l'amènent à Yaakov en lui disant « Examine-la, le reconnais-tu » Et Yaakov est décomposé, comprend, dit « C'est une bête sauvage qui a dû l'attaquer » et il déchire ses vêtements et prend un deuil qui ne finira, dit-il, qu'à ma mort, parce que eh bien, le deuil de Yaakov ne peut se terminer. C'est ce qu'on apprend aussi dans la Gemara, je crois que c'est dans Sota, là-dessus justement, qui dit « On ne peut faire le deuil d'une personne qu'on n'a pas enterrée, d'un corps qui manque. L'esprit n'a pas de repos. » Et le Zohar compare Yaakov, l'état de Yaakov alors, comme un mort-vivant, au moment où il est séparé de Joseph. Et puis Joseph, eh bien, va arriver en Égypte, va être vendu à Potiphar, le chef des gardes de Pharaon. Et il se passera exactement 22 ans entre la vente de Joseph et la venue un jour de Yaakov en Égypte et leur retrouvaille. Et le Midrash nous fait le parallèle entre ces 20 ans d'exil de Joseph, de la séparation entre Joseph et Yaakov, et étrangement, les 20 ans justement que Yaakov a travaillé chez Lavan. Parce que, dit le Midrash, Yaakov à ce moment-là n'a pas pu honorer son père et sa mère, qu'il était loin, qu'il était parti chez Lavan. Alors à son tour, son fils partira loin de lui et ne l'honorera pas pendant ses 20 ans. C'est assez, assez dur de la part du Midrash, vraiment difficile ce parallèle-là. Et puis voilà, à ce moment-là que tous les fils et les filles, nous dit le texte, s'attroupent autour de Yaakov et essayent de lui remonter le moral. Pourquoi les filles ? On ne parle pas souvent des filles de Yaakov. Et le Midrash nous dit c'était soit eh bien, des jumelles qui étaient nées avec chacun des princes des tribus, chacun des fils, et avec lesquels... qui étaient les filles, en fait, dont on ne parle pas, qui n'ont pas de nom, ou alors, tout simplement, peut-être que c'était tout simplement, eh bien, leur femme, voilà, qui étaient appelées fils et filles de la maison de Jacob. Toujours est-il que Jacob ne se laisse pas consoler. Et là, voici que le texte nous fait une distorsion. Et voici ce qu'il nous dit à ce moment-là, on est au chapitre 38. En ce temps-là, Yehuda s'éloigna de ses frères et descend. Alors, pourquoi est-ce qu'il s'éloigne de ses frères Yehuda à ce moment-là ? Eh bien, il faut aller voir le Midrash pour comprendre que les frères n'ont pas pardonné à Yehuda ses paroles et son influence au moment clé. Au moment où ils ont comploté contre leur frère Joseph, eh bien, peut-être que ce complot n'était seulement qu'imaginaire. Peut-être que lorsqu'ils l'ont jeté dans la citerne, c'était déjà un premier pas, mais ce n'était pas encore irrattrapable. Ils auraient pu, eh bien, tout simplement, vous savez, c'est cet horrible jeu de laisser l'enfant qu'on n'aime pas, celui qu'on aime le moins, celui de qui on veut rire ou se moquer, cacher. Tout le monde fait une partie de cache-cache et puis on fait exprès d'en oublier un et de ne pas aller le retrouver. Alors peut-être que ça aurait pu se passer comme ça et qu'à la fin de la journée, eh bien, ils seraient allés le chercher ou pas, mais que quelqu'un l'aurait retrouvé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'influence de Yehuda a été décisive. Il a dit « vendons-le ». Et c'est à ce moment-là qu'a commencé l'exil, à ce moment-là que Yehuda a eu cette influence de leader. Et c'est vraiment caractéristique de Yehuda, et c'est ce que le Midrash lui reproche. Il dit « il aurait pu utiliser son influence à bien d'autres choses, et ça, ses frères ne lui pardonneront pas ». Donc psychologiquement, à ce moment-là, on a un Yehuda qui descend, qui s'en va, qui quitte toute sa famille, qui est en colère contre ses frères, qui est en colère contre Yosef, qui est en colère contre son père, qui est en colère contre lui-même. Et Yehuda s'en va. Et il s'en va tellement loin qu'il va être complètement autre chose, faire des choses qui ne sont pas habituelles dans la maison de Yaakov, mais qui commencent justement avec la vente de ce frère. Où va-t-il ? Eh bien, il retrouve Hira, l'homme d'Adoulam.
c'est, dit le Midrash, l'homme avec lequel on fait des affaires. Et quelles affaires Yehuda va-t-il faire? Eh bien, il va apparemment faire prospérer eh bien, son propre troupeau de moutons. Il va devenir extrêmement riche et important, loin de ses frères, loin de sa famille. Donc, on a ce chiasme entre l'histoire de Joseph et l'histoire de Yehuda, qui tous deux eh bien, quittent complètement leur famille pour partir dans une autre vie, semble-t-il, puisque regardez, voici ce qui se passe pour Yehuda. Il prend femme. Donc, il prend femme. Regardez à quel point il est vraiment égaré dans la colère et dans la détresse, puisqu'il va prendre femme avec Shua, une cananéenne. Et là, le Midrash aura justement une remarque terrible, nous disant « Esav lui-même n'avait pas osé prendre une cananéenne et Yehuda, lui, va aller jusque-là. » Cette femme, Shua, va lui donner deux fils. Le premier fils, Er, et le deuxième fils, Onan. Et lorsqu'une fois marié, même en essayant de sortir finalement de lui-même, de sortir de sa propre histoire, eh bien, on est encore à se cacher, on est encore à essayer toujours de fuir sa réalité. Et donc, voilà trois fils, Er, Onan et Shéla. Et le texte nous raconte, eh bien, Yehuda va trouver lui-même, c'est Yehuda qui va chercher et trouver Tamar, dont, a priori, on ne sait rien, et la donner à son premier fils, Er. Alors, si on gratte un peu et on cherche, on va trouver un midrash sur Tamar qui nous dit, et voilà d'ailleurs c'est aussi ce que raconte Jacob Gordin, voilà ce qu'il nous dit sur Tamar. C'est pourquoi le Messie vient de la lignée de Tamar. Tamar n'est pas juive, on ne sait de quel peuple elle vient. Le midrash l'a dit, fille de Melchitsédek, que nous savons être le Shem. Alors Shem, petite fille, donc fille de Shem, ou encore Melchitsédek. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. Et on en sait un tout petit peu plus aussi, puisque ce Midrash nous dit, eh bien, c'était un Kohen Gadol, quelqu'un vraiment de très important. Vous savez, à ce temps-là, il y a les yeshivot de Shem et Ever. C'est là que Joseph a appris quand il était petit. Donc, c'est vraiment le centre religieux de toute la région, l'endroit vraiment... un des personnages les plus importants, et puis aussi un des plus anciens, puisque c'est quelqu'un qui remonte à Noir. Hein, on n'est pas loin de cette histoire. Ok. Donc, Tamar se marie à Er. Et Er, on raconte le texte, eh bien, voulait garder sa femme belle. Belle, et qu'elle ne soit pas abîmée par la grossesse. Et c'est pour cela qu'il ne finissait jamais les rapports et jeter sa semence eh bien, par terre. Alors, le texte nous dit, eh bien, Dieu, cela a été mauvais aux yeux de Dieu et il le fit mourir. Et là, c'est Rashi qui nous dit, c'est une des rares fois où on a aussi écrit « Quelqu'un porte le nom du mal ». Parce que R, les lettres mises inversées, c'est « Ra ». Et ce rat, on l'a déjà rencontré juste auparavant, vous vous rappelez? C'était Joseph qui disait du mal. Eh bien, ce mal se retrouve exactement en parallèle des deux histoires, dans l'histoire de Yehuda, et c'est son premier fils, Er, qui fait ce mal, donc cette chose qui déplaît aux yeux de Dieu. Deuxième fois, donc après cela, on a, vous savez, vous connaissez la loi du Iboum, la mitzvah du Iboum. C'est la loi du Lévira. Quand une femme est mariée et qu'elle perd son mari, qu'elle devient veuve, eh bien, si elle le souhaite, elle peut se marier avec son frère afin de donner des descendants au nom de son mari défunt. Et donc, Yehuda donne Tamar à son deuxième fils, Onan. Et Onan, nous dit le texte, lui aussi faisait quelque chose qui était... qui va être mauvais aux yeux de Dieu, et lui aussi va mourir. Alors, que faisait Onan? Eh bien, Onan, lui, avait décidé
qu'il n'était pas d'accord, qu'il ne voulait pas donner une descendance à son frère. Et donc, il faisait pareil. Il n'allait pas jusqu'au bout du rapport et jetait sa semence par terre. Et donc, Tamar reste, eh bien, finalement, elle reste sans avoir jamais connu de mari et ayant déjà perdu ses deux maris. Donc, c'est vraiment la veuve éplorée. C'est l'injustice la plus totale, puisque la première possession, le premier homme qu'elle a connu voulait la garder intacte dans sa beauté. Donc, c'est vraiment l'objectification totale de Tamar. Et le deuxième, eh bien, Tamar n'était qu'un instrument qui devait servir à donner suite à son frère. Et Onan, eh bien, lui, n'était pas d'accord pour servir ce dessein-là. Et donc, il trouvera également la mort. Que reste-t-il ? Il reste le troisième fils, Shéla. Mais Shéla est trop jeune. Et Yehuda dit à Tamar, eh bien, tu vas rester dans ma maison et on va attendre qu'il soit en âge de procréer et de se marier avec toi. Et puis, voilà que, eh bien, le temps passe. Et le temps passe et passe le moment où Shéla est en âge de se marier. Et Tamar voit que rien ne se passe, que Yehuda n'a pas du tout, absolument pas l'intention de lui donner son troisième fils. Et c'est Rashi qui nous éclaire encore sur les desseins de Yehuda et qui nous dit, eh bien, pour Yehuda, Tamar était une mauvaise femme. Elle portait la malédiction sur elle puisqu'elle lui avait déjà tué deux fils et il ne voulait pas, eh bien, qu'arrive cela, cette espèce de malédiction sur son troisième fils. Donc, il craignait de lui le donner et il préférait, eh bien, remettre cela au calende grec, si je puis dire. Alors, Tamar va imaginer un stratagème. Le texte nous dit, elle enlève ses vêtements de veuve pour se voiler complètement, afin qu'on ne la reconnaisse pas. Et elle va se poster à un endroit particulier, à la croisée des chemins, dans un endroit qui s'appelle Petar Enaim, l'ouverture des yeux, ou encore les yeux ouverts, alors que justement, elle est totalement voilée et qu'on ne peut pas la reconnaître. Paradoxe encore qu'on va expliquer par la suite. Et qu'est-ce qu'elle fait à cet endroit-là ? Alors, on est dans un territoire, on est à Timna. Vous savez, Timna, c'est juste à côté, c'est avant d'arriver à Eilat, dans le Negev, vous savez ? Et il y a le parc Timna là-bas. Ouais. Alors, avant, c'était apparemment un territoire qui était luxuriant, puisque c'est l'endroit où Yehuda va faire paître ses troupeaux. Puis, il a beaucoup de troupeaux, il est très riche. Et il a avec lui son ami, donc Rira, son associé, en fait, l'homme d'Adoulam. Et quand c'est le moment de la tente des moutons, eh bien, les hommes ont l'habitude de rester plusieurs jours dans cette tente des moutons jusqu'à ce que tous les troupeaux, tous les moutons soient attendus. Et puis, à la fin, la tradition, c'est de faire une grande fête, une très grande fête, très arrosée. Et pendant tout ce temps, eh bien, les hommes ne rentrent pas à la maison. Donc voilà, Yehuda, c'est le moment de la tonte des moutons. Ensuite, c'est la fête. Tout cela est bien arrosé. Et seulement après cela, Yehuda prend le chemin pour rentrer chez lui. Et donc, c'est là qu'il prend ce chemin, vous savez. Donc, vous imaginez maintenant cette route, la route là-bas de Eilat, d'accord, avec ce paysage. Et donc, Tamar planté, on voit très de loin, on voit quelqu'un. Imaginez quelqu'un voilé de rouge peut-être, puisqu'elle voulait, on la voit de loin, et elle est là à cette croisée des chemins. Et Yehuda rentre donc de la tente des moutons, un peu éméché, et il voit cette femme mystérieuse, étrange, postée là, et il va vers elle, et elle lui dit, non, elle ne lui dit rien d'ailleurs, puisqu'ils vont ensemble et passent la nuit ensemble. Ok. La fin de la nuit, Yehuda demande à Tamar, il lui dit que veux-tu en échange de cette nuit ? Et Tamar va lui dire, eh bien, je veux un agneau de ton troupeau. C'est Yehuda qui lui dit, je vais te donner un agneau de mon troupeau. Et là, encore une fois, on a l'occurrence. Vous vous rappelez l'agneau ? Où c'est qu'on a déjà vu l'agneau dans cette paracha ? Eh bien, c'était dans l'histoire de Joseph.
ce fameux agneau qui avait été attrapé, tué et mis sur le sang de la tunique. Et donc, cet agneau se retrouve à ce moment-là. Mais Yehuda n'entend pas, ne voit pas, il n'a pas les yeux ouverts, malgré qu'il soit à l'endroit des yeux ouverts de Petach Enayim. Et Tamar, alors, lui dit, « Mais qu'est-ce qui me garantit que tu vas m'apporter ton agneau ?» Parce qu'il ne l'a pas sur lui, son agneau, il ne l'a pas dans sa poche à ce moment-là. Alors, elle lui dit, « Eh bien, puisque je ne te connais pas, tu ne me connais pas, je ne peux pas me fier à toi, je te demande un gage qui va m'assurer que tu reviendras bien me payer. Laisse-moi en gage, eh bien, ton seau, ton manteau et ton bâton. Chotmera, Petila et Maatera. Qu'est-ce que c'est que ces trois choses? Eh bien, vous les avez évidemment reconnues, ce sont les emblèmes de la royauté. » Mais là encore, pour Yehuda, ça ne fait pas tilt. Il n'a pas saisi le message. Et il lui laisse. Vraiment, c'est même fou d'imaginer qu'il est à ce point-là irresponsable. Enfin bref, il laisse son manteau, son seau et son bâton à cette femme inconnue croisée sur la route avec laquelle il a passé la nuit. Et le texte nous dit « Cette nuit a suffi à engendrer. » Tamar est enceinte. Et Yehuda rentre chez lui, il oublie cette nuit-là, le lendemain matin, il se réveille, il dit à son homme d'Adoula, Mahira, il lui dit, tiens, tu vas vite prendre un agneau, le plus bel agneau qui soit, puis tu vas l'apporter à cette prostituée qui était sur la route. Et voilà, on n'en parlera plus. Évidemment, il y va, et évidemment, il n'y a personne. Et il demande aux gens qui habitent par là-bas, il dit, où est la prostituée qui se tient là d'habitude? Et tout le monde lui dit, eh bien, d'habitude, il n'y a pas. Il n'y a pas de prostituée à cet endroit-là, nous ne savons pas de quoi tu parles. Alors, Hira rentre bredouille et dit à Yehuda, voilà ce qui s'est passé. Et Yehuda dit, eh ben, écoute, si quelqu'un vient nous demander des comptes, nous dirons que nous avons fait ce qui était en notre pouvoir, nous avons apporté le paiement et nous n'avons rien à nous reprocher. Et puis, l'histoire est oubliée. Seulement, voilà, au bout de 3 mois, Tamar, qui est enceinte, eh bien, ça se voit. Et les hommes, les femmes, tout le village commence à parler beaucoup. Et ils viennent voir Yehuda en lui disant, eh bien, tu sais, ta belle-fille, certainement qu'elle s'est prostituée ou qu'elle est, en tout cas, elle est allée voir ailleurs et elle est enceinte. Et Yehuda, qui est connu pour sa justesse et sa droiture, eh bien, étant donné qu'elle est la fille de Shem et que Shem est Cohen Gadol, il dit, il y a un tribunal et lui il fait partie du tribunal puisque c'est l'homme important du village et il dit eh bien elle doit être brûlée, c'est la sentence parce qu'elle est d'un rang aussi élevé et elle est prise tout de suite et mise en prison. Avant de partir, Tamar dit à son serviteur, elle lui dit, tu vas aller donner ces objets à Yehuda en secret, et tu lui diras, je suis enceinte de l'homme qui m'a laissé ces objets. Évidemment, vous avez compris, les objets que Tamar fait parvenir en secret à Yehuda, eh bien, c'est le manteau, le seau et le bâton. Et là, enfin, les yeux de Yehuda s'ouvrent, puisqu'il reconnaît et comprend, et il dit, Itzatka Mimeni, elle est plus juste que moi. Elle est plus juste que moi. Alors, on apprend ici, premièrement, ça c'est un enseignement traditionnel de la Gemara, donc c'est Sota 10b qui nous dit, c'est de là qu'on apprend de l'attitude de Tamar dans cette histoire. On apprend qu'il vaut mieux sauter dans une fournaise ardente plutôt que de faire honte à quelqu'un en public, que la honte en public est pire que la mort. Ok, mais qu'est-ce qui a fait ouvrir les yeux de Yehuda et qu'est-ce qui lui a fait soudainement, qu'est-ce qui lui a permis de dire ces mots-là? Qu'est-ce qui lui a permis, qu'est-ce qui a déclenché ce retour, cette teshuva et cette grandeur de Yehuda qui jusque-là, apparemment, dans tout le reste de l'histoire, ce qu'on vient de voir jusque-là, n'était vraiment pas à la hauteur de ses promesses et de son potentiel, justement.
Eh bien, c'est le texte dit, quand elle envoie les objets, elle dit, le reconnais-tu? Aker na, dit le texte. Et le reconnais-tu, rappelez-vous, tout au début, quand on a raconté le début de l'histoire de Joseph, eh bien, c'est pareil. Lorsque les frères apportent la tunique à Yaakov, ils lui disent exactement les mêmes mots, Aker na, le reconnais-tu? Et là, tout le film se repasse en accéléré dans la tête de Yehuda et il comprend que toutes ces souffrances, toutes ces épreuves qu'il vient de vivre, il a perdu deux fils, il comprend la souffrance de son père à l'intérieur, il comprend l'erreur qu'il a faite et c'est seulement en reconnaissant sa faute, elle est plus juste que moi. Il reconnaît sa faute au travers de Tamar, mais il reconnaît en même temps la faute par rapport à Yosef. Et c'est seulement à ce moment-là, donc la descente de Yehuda, qui va lui permettre de remonter en même temps que Joseph, lui, est parti en exil. Et on va voir ce qui se passe après avec Joseph et comment c'est lié à l'histoire de Yehuda et comment c'est lié à Tamar, parce que rien ne serait arrivé sans l'intervention de Tamar, qui est une intervention totalement, entièrement extérieure. Tamar, c'est le Midrash qui nous dit qu'elle est petite fille de Shem, qu'elle est fille de Shem. Mais ce qui est très important de dire, c'est que Tamar n'est pas juive. Elle vient totalement de l'extérieur. Et regardez ce que dit Jacob Gordin là-dessus, la suite de tout à l'heure. Je vous le reprends juste une phrase avant. D'autre part, on ne peut se sauver seul. Pas un Israélite ne peut se sauver en dehors de la communauté sainte et en dehors de l'humanité entière. C'est pourquoi le Messie vient de la lignée de Tamar. Tamar n'est pas juive, on ne sait de quel peuple elle vient. Le Midrash l'a dit, fille de Melchizedek, que nous savons être le sème humain. De même, Boaz épouse Ruth la Moabite. La femme vient toujours de l'extérieur, de l'étranger. Et Ruth est l'ancêtre de David et du Messie. À son nom, il ne manque qu'un « hé » pour que les lettres de son nom soient celles du mot « Torah ». Elle est le cadeau que les nations ont offert pour qu'il accepte et assume la Torah. Et c'est un autre Midrash qui raconte, non, c'est pas le Midrash, je crois que c'est le Hafetz Chaim, qui nous dit, si on prend les lettres de Ruth et de Tamar et qu'on les met ensemble, eh bien, ça fait le mot Teruma, Trouma. C'est le don des nations que les nations ont fait au peuple d'Israël et ce qui permettra de faire venir le Messie. Alors, attendez, je suis allée un peu trop vite, un peu trop loin, puisqu'on n'a pas encore parlé justement de la naissance de ce Messie. Donc, à ce moment-là, on était au moment fatidique où Tamar va être brûlée sur le bûcher. Et juste avant, eh bien, Yehuda qui reçoit les présents dit « Itzadka mimeni, elle est plus juste que moi ». Évidemment, on arrête à ce moment-là tout. Tamar est sauvée. Et non seulement elle est sauvée, mais elle va accoucher. Et elle accouche de deux jumeaux. Elle accouche prématurément. C'est certainement, eh bien, je pense, la peur du bûcher qui a dû provoquer l'accouchement prématuré. Enfin, ça, je l'ai trouvé nulle part, cette explication, mais ça me semble assez... possible, hein, les émotions, les sensations fortes, ça déclenche les contractions. Alors, quelles contractions? Eh bien, justement, la contraction de la naissance de deux jumeaux. Donc, à 7 mois, Tamar accouche de Peretz et Zera. Et le texte raconte, c'est Zera qui devait sortir le premier. La sage-femme avait vu le bras qui sortait et avait déjà attaché un fil de chani, de rouge écarlate à son bras. Et voici que Peretz, le deuxième qui était derrière, a jailli, a sorti, a fait une percée, justement, c'est le sens de Peretz. Et il est sorti le premier. Et puis Zera, pourquoi il va s'appeler Zera? Parce que, eh bien, il sort le bras en avant avec ce fil de chani, ce fil écarlate, et c'est le rayonnement. Donc Peretz et Zera, la percée et le rayonnement, des jumeaux, dit le texte, des théomimes, des jumeaux parfaits. Pourquoi théomimes? Parce qu'on a, eh bien, un écho d'autres jumeaux qui sont nés juste avant, quelques parachiotes avant. C'est justement les jumeaux de Yaakov et de Esav, qui, dit le texte, étaient eux des théomimes, des jumeaux auxquels il manquait la lettre vav, des jumeaux imparfaits. Et pourtant, la grossesse de Rivka, elle, avait été à son terme. Elle avait été jusqu'à 9 mois. Et on a ici un mystère, encore un paradoxe. C'est truffé de paradoxes, on ne pourra pas s'en sortir.
de l'imperfection de la grossesse de Tamar qui va donner la perfection de ses jumeaux, puisque ses jumeaux se pérètent, eh bien, ça va être l'ancêtre de Ruth, qui sera l'ancêtre de David et qui sera la lignée du Messie. Et puis, eh bien, la grossesse parfaite de Rivka, elle va donner l'imperfection de ces deux jumeaux qui se disputaient déjà dans son ventre et qui vont ensuite lutter toute leur existence, Yaakov et Esav, enfin, vous connaissez l'histoire. Voilà. Donc là, ce que je voudrais vous lire, c'est une explication du Rabbi Lubavitch, qui est une explication sans en être une, en fait, puisqu'il y a quelque chose d'irréductible à cet endroit-là. Alors, voici ce qu'il dit. Il dit, sur Vayeshev, il dit, c'est le paradoxe de l'existence, la perfection qui engendre l'imperfection, car rien ne peut être déclaré parfait, à moins qu'il ne possède le potentiel du combat, qu'il soit vulnérable à l'imperfection. Et l'imperfection donne naissance à la perfection. La vulnérabilité est exploitée pour récolter la récompense de la lutte. On atteint la gémellité parfaite, le bien sans tache et le mal vaincu, et l'histoire progresse, puisque les sauveurs, donc les enfants de Tamar, monteront sur le mont Sion pour juger la montagne de Esav, de Rivka. C'est l'union, dit le Rabbi Lubavitch, de la vulnérabilité issue de la perfection de Dieu et de la perfection issue de la vulnérabilité de la condition humaine. Comme si l'imperfection venait de Dieu et la perfection se trouvait chez l'homme. C'est très étonnant puisqu'on a l'habitude de penser le contraire. L'absolu, la perfection, c'est Dieu. Et ici, le Rabbi Lubavitch nous propose une lecture inversée. Et ça rejoint évidemment l'explication de ce tzimtzum de Dieu, de la Kabbalah, justement, ce Dieu qui lui-même se réduit. Et on a là le lien justement avec ses jumeaux. Vous connaissez ce fameux midrash que Manitou raconte tout le temps sur la lune et le soleil. Cette lune qui s'est rétrécie parce qu'elle était jalouse de la lumière du soleil. Et puis ce midrash qui raconte qu'à la fin des temps, eh bien, les deux luminaires reprendront chacun leur taille initiale et brilleront chacun d'une grande lumière. Autant messianique. Et pour Eliane Amado-Lévy-Valency, c'est le masculin et le féminin qui se retrouveront dans la complétude la plus parfaite. Mais sur un autre plan, eh bien, c'est l'histoire d'Israël et des nations, c'est l'histoire de Yaakov et de Esav, les jumeaux imparfaits qui, à la fin des temps, pourront enfin retrouver la même taille. Mais voilà que naissent deux jumeaux qui sont déjà de taille égale, qui portent en eux la paix, justement, le shalom entre les frères, la perfection d'Israël sur la terre, la possibilité de réalisation, cette possibilité de l'imprévu dans l'histoire, que le Mashiach peut arriver à tout moment. Ça peut être maintenant. C'est possible tout de suite. Il n'y a peut-être pas besoin de passer justement par tous ces engendrements, par toutes ces tolédotes, d'aller jusqu'au bout de l'histoire. La possibilité est maintenant. Elle existe. Ok. Alors attendez, juste j'essaie de retrouver le fil. on va y être. Attendez. Oui, un autre midrash. Au moment où Yehuda dit Itzadka Mimeni, elle est plus juste que moi, le midrash raconte, une voix est sortie du ciel en disant
c'est de moi. Les enfants sont de moi. Comme si une bête colle. Comme si Dieu disait, c'est moi qui ai provoqué toute cette histoire et cet enfant vient de moi. Alors, bon, ça va donner toutes les explications. Il y a beaucoup d'explications chrétiennes sur l'image de Tamar qui est d'un côté à la fois, eh bien, l'exemple, le modèle de vertu puisqu'elle est encensée pour sa tsniout, sa pureté, on va dire la tsniout dans ce sens, sa modestie. Enfin non, le fait qu'elle s'efface, qu'elle ne parle pas. Il y a un midrash qui raconte que Yehuda ne connaissait même pas sa voix parce qu'elle n'avait jamais entendu parler dans sa maison. Et puis d'un autre côté, elle se déguise en prostituée. Donc il y a cette dichotomie entre la vierge et la prostituée dans toute l'imagerie chrétienne. Pourquoi j'ai parlé de ça? Pourquoi j'ai parlé de ça? Qu'est-ce que je dis? Zut. Attendez, je reprends. Et oui, cette voix, cette bat call qui vient du ciel en disant « Cet enfant est de moi ». Et en fait, il y a un autre midrash qui nous raconte qu'au moment où Yehuda est sur le chemin et qu'il rencontre Tamar, et ça, c'est un midrash qui veut vanter justement les vertus de Yehuda autant que celles de Tamar en disant il n'était absolument pas attiré par quoi que ce soit, il ne voulait pas aller vers Tamar à ce moment-là. Et Dieu a fait venir un ange, l'ange de l'envie, qui a poussé Yehuda vers Tamar pour que l'union ait lieu. Alors, c'est un peu comme tout à l'heure aussi, très étrangement, cet ange qu'on avait vu sur le chemin de Shrem qui rencontre Joseph et qui lui dit « Oui, oui, tes frères sont à Dothan, vas-y. » Comme si vraiment dans toute cette histoire, on a eh bien, la providence divine qui s'insère dans l'histoire des hommes. Une anti-histoire peut-être de Esther à Pourim, ça veut dire c'est vraiment l'inverse. On ne voit pas, on n'arrive pas à déceler la présence de Dieu ici. On dirait qu'à chaque pas, c'est Dieu qui pousse quasiment les personnes. Il les pousse, mais il ne peut pas parler à leur place. Et cette grandeur de Yehuda à reconnaître sa faute, et surtout à se mettre en danger parce que c'est quand même pour lui, c'est reconnaître d'avoir fait quelque chose de grave, peut-être le risque de tout perdre, etc. Mais peu importe, la justice, le Messie, le Mashiach naît au moment de la reconnaissance de l'un par l'autre. Et c'est à ce moment-là aussi que finalement, c'est un dévoilement. Tamar qui s'était voilée entièrement, se dévoile à ce moment-là, se met en danger. Elle ose se mettre en danger pour dévoiler. Alors, est-ce que c'est pour dévoiler seulement le potentiel de Yehuda en tant que roi, en tant que Meler Israël? C'est une des explications aussi de la Gemara sur cette histoire. Et peut-être qu'on peut voir autre chose dans l'intervention de Tamar. Alors, regardez. D'abord, après qu'elle ait accouché des jumeaux, le texte nous dit « Velo yasaf od la da'ata ». Et on peut le traduire de deux manières. Soit, à partir de là, Yehuda a cessé de la connaître. Donc, elle a accouché et puis ils se sont séparés à nouveau. On est revenu à zéro. Soit, double lecture, l'inverse absolu. À partir de ce moment-là, il ne cessa plus de la connaître. Il continue à rester avec elle jusqu'à la fin des temps et non seulement rester avec elle, mais vraiment avoir une relation conjugale avec elle, être un couple. C'est ce qui aurait dû arriver, puisqu'à partir à ce moment-là, on n'a pas encore des lois instituées comme celles qu'on a aujourd'hui en ce qui concerne la mitzvah de Lévira. Et donc, les personnes qui peuvent être prises pour époux pour continuer la vie et donner enfant au mari mort, c'est les personnes les plus proches dans la famille. Et donc, ça, c'est une interprétation de la Gemara. Peut-être que ce n'est pas une faute d'être allée avec Yehuda, puisque finalement, dans la hiérarchie, la généalogie de sa famille, c'était lui qui était sur la liste. Alors, regardez,
On a pendant ce temps-là, on va revenir encore un peu après à Tamar, mais je veux reprendre maintenant l'histoire de Joseph. Donc, juste après toute cette histoire de Yehuda et Tamar, on a l'histoire de Joseph qui continue. La paracha n'est pas terminée, bien loin. C'est-à-dire le passage sur Yehuda et Tamar, finalement, il est très infime par rapport à tout ce qui se passe dans la vie de Joseph à ce moment-là. C'est vraiment le passage le plus palpitant. Rachid pose la question, mais pourquoi cette histoire de Yehuda et Tamar, elle est à ce moment-là? C'est vraiment au moment clé, au moment où on attend de savoir ce qui va arriver à Yosef. Et il n'y a vraiment pas d'intérêt à la mettre là, cette histoire. On aurait pu la mettre à la fin, ça aurait été beaucoup mieux. Bref. À ce moment-là, le texte nous dit « Ve Yosef ourad Mitzrayima ». Yosef est descendu en Égypte. Il est dans la maison de Poutifar. Et nous dit le texte, Hachem est avec lui. Il a la bénédiction dans tout ce qu'il touche. Il fait fructifier les affaires de Poutifar qui, au départ, l'a acheté seulement comme esclave. Et puis très très vite, il devient l'intendant de la maison. Poutifar lui fait confiance, les yeux fermés. Et puis le texte nous dit qu'il était Yosef, il était Yafé Toar, Yafé Maré. Il était beau. Je crois que c'est exactement la même expression qui est employée pour Rivka ou Sarah. Yafé Toar, Yafé Maré. Je crois que c'est Rivka. Moi, je croyais que c'était Sarah. C'est Sarah, hein? Je ne sais pas, je pensais. Ouais, c'est possible que ce soit Sarah. C'est vraiment les mêmes adjectifs qui sont employés. C'est Rachel, je crois. C'est Rachel? Alors, oui, alors ça serait lié, il aurait hérité ça de sa maman. Écoutez, j'irai vérifier pour la prochaine fois, je vous dirai. Il a fait Toar, mais il a fait Marée. Donc, il est aussi beau qu'une femme, en fait. Il est très, très beau. Alors là, le Midrash, encore, qui toujours pique les personnages, soit dans un sens, soit dans l'autre, dit, en fait, on le trouve beau. Le texte dit qu'il est beau à ce moment-là parce que, comme il est devenu beaucoup plus important dans la maison de Poutifar, il a le temps d'arranger ses cheveux. Et on décèle ici encore un espèce de narcissisme de Joseph qui se regarde dans la glace et qui arrange ses cheveux et qui attire l'œil. Vous savez, Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleaïn, le mauvais œil justement, c'est Yosef qui en fait un peu trop et qui attire l'œil évidemment de qui? Eh bien de la femme de Poutifar qui veut aller avec Joseph. Et le Midrash dit... puisque tu te fais beau, je vais lancer un ours à tes trappes d'un Midrash Tanhuma. Donc l'ours, c'est la femme de Poutifar. Joseph répond à la femme de Poutifar, de toute la maison, dans toute cette maison, j'ai droit à tout. Mon maître a été bon pour moi, il m'a laissé l'accès à tout et tu es la seule chose qui m'est interdite. Et là, on a l'écho, vraiment l'écho du Gan Eden avec Adam et Chava où tout est permis sauf le fruit de la tentation. Et puis, vous savez, on a ce moment où, comme par hasard, Joseph et la femme de Poutifar se retrouvent seuls dans la maison. Et là encore, il faut aller voir le Midrash qui nous raconte que c'était un jour exceptionnel. C'était un jour, elle avait choisi exprès ce jour-là, c'était un jour où il fêtait la déesse Ishtar, la déesse de la fécondité en Égypte. Et elle avait faim, elle avait simulé la maladie pour pouvoir rester toute seule à la maison avec Joseph. Et puis elle lui avait répété tous les jours, essayé de l'avoir à l'usure et tous les jours il disait non. Jusqu'à ce jour-là, ce fameux jour-là, où elle à nouveau elle essaye d'aller avec lui. Il y a deux versions différentes. Alors, la version du texte qui dit qu'il refuse d'aller avec elle et puis qu'il s'enfuit et puis qu'elle lui arrache ses vêtements. Et ensuite, elle crie au secours, c'est lui qui est venu, machin. Et puis, le Midrash qui dit, non, pas du tout. En fait, il avait succombé à ses charmes et il allait aller avec elle. Et au dernier moment, c'est le visage de Yaakov, le visage de son père qui est apparu à la place de la tête de la femme de Poutifar et qui lui a coupé toute envie et qui est parti en courant. C'est vrai que c'est pratique quand même. Mais donc voilà, ce qui est sûr, c'est qu'à la fin, elle lui arrache sa tunique. Elle lui arrache son vêtement. Et elle va dire,
C'est l'hébreu que tu as amené dans la maison qui est venu, qui m'a attaqué. Et là, le Midrash commence. Non, c'est même Rashi qui nous dit « Ivri, celui qui est venu de l'autre côté ». Elle fait ici, ici on a la racine aussi de l'antisémitisme dans ce sens-là. Ça veut dire je ne peux pas t'avoir, alors je vais remettre en question ton existence et ton identité. C'est toi le Ivri. Et elle monte Potiphar contre le Ivri, cette personne du dehors, celui qui est venu du dehors, cet étranger, celui qui est venu de l'autre côté. Et là, on voit encore ce parallèle avec l'histoire de Tamar, cette Tamar justement qui elle aussi vient de l'autre côté, mais dans l'autre sens, celle qui est étrangère et qui c'est vraiment l'inverse absolu. Donc, on a la femme de Potiphar qui veut forcer Joseph, qui lui arrache ses vêtements. Et dans l'autre sens, on a Tamar qui vient de l'extérieur et qui, elle, au contraire, va se voiler complètement pour aller avec Yehuda. Et on a l'inverse aussi dans cette histoire où elle va séduire Yehuda par l'ambiguïté de ce voile, par le fait qu'il ne la voit pas, mais qu'il devient le corps de la femme à travers le voile, alors que la femme de Potiphar, elle lui arrache carrément ses vêtements. Donc, on est dans quelque chose de beaucoup plus violent et même porno, je dirais. C'est vraiment l'érotisme d'un côté et la pornographie de l'autre côté. Et puis, là que je vais faire un parallèle eh bien, avec l'autre histoire de l'autre Tamar. Attention, éteignez les micros si vous ne voulez pas qu'on ait trop de bruit en même temps, des interférences. Suzy, je crois que c'est toi, si tu peux éteindre ton micro. Merci. L'autre Tamar. Alors, l'autre Tamar, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la fille de David. La fille de David et la sœur de Avshalom. Donc, Avshalom, c'est la sœur de Avshalom, fils de David. Et Avshalom, eh bien, est amoureux de sa sœur. Et amoureux fou, au point que ça le rend dingue. Il en est complètement obsédé. Et il ne sait pas comment faire pour l'avoir. Puisqu'elle... Et il invente un stratagème, il feint d'être malade. Là encore, on a peut-être l'écho de la femme de Potiphar qui feignait d'être malade, elle aussi. Et donc, Avshalom feint d'être malade pour que sa sœur vienne s'occuper de lui à son chevet et qu'il reste seul, justement, dans la chambre. Et c'est à ce moment-là... Il ne s'agit pas d'Amnon ? Oui, merci. Oui, merci. Merci, Alex. Merci. C'est Amnon et Tamar. Merci, Alex. Merci beaucoup. OK, donc je reprends. Donc, c'est Amnon et Tamar, les fils de David. C'est filles de David. Merci. Avshalom, il vient après dans l'histoire. Donc, Amnon feint d'être malade pour que Tamar s'occupe de lui. Et Tamar s'occupe de lui. Elle est toujours à son chevet. Et un jour, il va se jeter sur sa sœur, se lever du lit, lui arracher ses vêtements et la violer. Et puis ensuite... Il va être complètement, une fois qu'il aura satisfait ses pulsions, il va être pris de dégoût pour cette sœur et la rejeter, la jeter. Et Avshalom voudra venger eh bien, sa sœur et va tuer son frère Amnon. Puis ensuite, va fomenter, c'est lui qui plus tard va fomenter la révolte contre David pour prendre sa place. Et Avshalom sera tué par le général de David, Yoav. Donc, c'est vraiment une sale histoire, une très sale histoire, mais qui nous montre à nouveau eh bien, l'inverse, justement, des deux Tamar. Ça veut dire qu'on a vraiment la Tamar qui va être avec laquelle il va y avoir un échange. Donc, la Tamar avec Yehuda, il va se passer un échange où il va y avoir une connaissance et une reconnaissance entre deux personnes différentes, un échange entre d'altérité, en fait, un face-à-face entre l'autre absolu. Et avec Amnon et Tamar, eh bien, on a au contraire ces mêmes et cette violence qui se dévore entre eux. Et qu'il arrache, qu'il démasque et qu'il met à nu en fait et qu'il détruit. Et en fait, je veux revenir
sur l'histoire. Il y a un midrash très important encore sur cette histoire de Yehuda et Tamar. Pour rappeler, on a parlé de la providence divine qui agit à chaque fois. Et pourtant, malgré cette histoire de providence, apparemment, d'après le midrash, eh bien, même Dieu n'est pas si présent que ça. Pourquoi ? Parce que voici ce que dit le midrash. Il dit dans cette histoire, c'est Midrash Rabba sur Vayeshev, tout le monde est occupé. Les tribus sont occupées à la vente de Yosef. Yaakov est occupé à faire son deuil. Yehuda est occupé à chercher une femme. Dieu lui-même, Hachem, est occupé à semer les lumières du Messie. Et qui reste, qui n'est pas occupé, eh bien, c'est Tamar. C'est Tamar qui décide de prendre les choses en main. Elle sait d'abord qu'elle doit donner naissance à un enfant de la maison de Yehuda. Et elle est prête à tout pour ça. Et elle va lutter contre la mort, donner vie à travers Yehuda, à la maison de Yehuda, c'est lutter contre la mort et donner l'éternité. C'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, c'est Tmurato. C'est le don de Tamar et de Ruth au peuple d'Israël, le don des nations à Israël. Ce Tmurato, c'était Rabbi Yehuda Al-Kailai qui fait cette exégèse. Yehuda, il y a un autre Midrash, dans Midrash Rabba aussi, qui dit la différence entre Yosef et Yehuda, qui accentue la différence entre les deux. Dit Yosef, il a une seule lettre du nom de Dieu, alors que Yehuda, son nom entier, comporte toutes les lettres du nom de Dieu. Et c'est pour cela que les Juifs ensuite vont prendre son nom. Yehudim, ce seront ceux qui pourront reconnaître et pourront louer le Dieu d'Israël. Et ils seront un tampon pour les générations. Et c'est Tosfot aussi qui nous dit, Yehuda, la guématria de Yehuda, c'est 30. Et 30, dans la Gemara, ce sont toutes les qualités qu'il faut pour être roi. Et il y a du mouvement là-bas, excusez-moi. Pardon, toutes les qualités pour être roi, plus précisément. Pourquoi ? Ah ouais, mais là, je ne peux pas vous dire les 30 qualités qu'il faut pour être roi, ça fait beaucoup. Ah non, d'accord, c'est 30 d'accord, qualités. C'est 30 qualités. Okay. Alors, si vous voulez, je vous enverrai le passage, la référence pour aller voir les qualités en question. Ou alors, on parlera de la royauté une autre fois. Mais on va reprendre juste une autre idée. Voilà l'idée. Donc, on a les explications traditionnelles, elles ont tendance d'opposer Joseph et Yehuda et d'utiliser Tamar comme un tuyau, un outil, un réceptacle à travers lequel va s'épancher la providence divine et qui va apporter le Messie en rejoignant la maison d'Israël. Et puis, ce qu'on a vu dans cette histoire, c'est que finalement, il y a un parallèle entre l'histoire de Joseph et l'histoire de Yehuda au même moment. Le Sforno, il dit, c'est Mida Keneged Mida. Tout ce que Yehuda, il a fait subir à Yaakov, Yehuda, il le subit en pire. D'accord ? Mais ce qui se passe ici, en fait, c'est un moment clé de l'histoire biblique. Pourquoi ? Parce que jusque-là, on avait... avec Abraham, Yitzhak et Yaakov, on a eu toujours, et on revient sur le concept d'engendrement de Manitou, les Tolédotes, le peuple juif n'était pas encore le peuple juif. Et l'héritage passait à chaque fois à travers un enfant qui était choisi. Et c'est pour ça qu'il y avait autant de jalousie, c'est pour ça qu'il y a autant de rivalité, c'est pour ça qu'il y a autant de tension, puisque tout le monde se bat toujours pour être l'élu, en fait. Et ce que n'ont pas compris au départ les frères, Joseph avec tous ses frères, avec toutes les tribus, malgré les rêves peut-être que Dieu envoie à Joseph au début et dont il a peut-être l'intuition mais qui ne s'est pas encore décodé à ce moment-là, mais qui vont le porter
sur les ailes de ses rêves, à affronter toutes les épreuves en Égypte, en tout cas, eh bien, c'est l'idée que ce n'est plus à travers un que ça passe, que maintenant, ça va passer à travers une unité constituée de différents qui vont s'allier les uns aux autres. Ces 12 tribus-là, c'est le puzzle de l'identité juive. Et l'héritage de Yaakov, Morachat Yaakov, c'est ne lit pas Morachat, mais lit Meorasa, la fiancée. Et cette fiancée, peut-être que c'est Tamar, justement, c'est celle qui vient de l'extérieur, celle qui ne peut être, celle qu'on on ne voit pas, même quand elle est dans Petach Enaïm, elle est à l'endroit des yeux ouverts, on ne la voit pas tout de suite, on ne la reconnaît pas, c'est exactement l'histoire du Shir HaShirim aussi, c'est quand elle n'ouvre pas la porte. Quand elle ne se doute pas que c'est lui qui tape à la porte, elle n'ouvre pas au bon moment. Et c'est pour ça que l'exil continue, parce qu'au moment clé, on ne voit pas, on ne comprend pas encore le message, on ne voit pas la fiancée. Et pourtant, la fiancée est là à ce moment-là, et elle va trouver, elle va avoir la sagesse de trouver comment accéder à Yehuda. Peretz et Zera, c'est Rabbeinu Bechaye, qui relie les deux jumeaux à la lune et le soleil. Peretz Zera, c'est le rayonnement du soleil, et Zera, c'est le rayonnement du soleil, et c'est aussi la semence, Zera, l'ensemencement, parce qu'on nous dit, le Midrash nous dit, Dieu est occupé à semer les lumières du Messie à ce moment-là. Et Peretz, la percée, c'est la lune. C'est cette lune qui va se l'échadèche à chaque fois, qui va se diminuer jusqu'à disparaître totalement et ensuite se renouveler. C'est le véritable ridouche qui est amené par le Peretz. Et on a là, d'un côté, l'histoire de Joseph et de l'autre côté, l'histoire de Yehuda. Et on a là, finalement, l'histoire de l'exil et l'histoire d'Israël, l'histoire de la Yehoula, de la rédemption, qui sont liés les deux. Alors regardez, c'est justement ça, c'est Beno Gross qui nous dit sur l'exil et la libération. Vous voyez ce qu'il nous dit ? D'abord, il nous dit « L'exil et la libération sont annoncés dans un même souffle, indivisiblement liés dans le plan divin. De la réalité de l'exil, on peut légitimement conclure à la certitude de la rédemption. La valeur sémantique des termes vient, elle aussi, apporter un appui supplémentaire à la conception du Maharal. C'est là qu'il nous parle de cette racine, Gal, exprime en hébreu l'acte d'exilé et celui de rédimer. Et un H qui vient s'adjoindre à la fin de ce radical pour former le verbe Gola, exilé. Un Aleph s'intraduit au milieu du radical pour constituer le verbe Gaël, Goël, rédimer. Et voilà ce qu'il écrit après. Le Maharal, avec une intuition profonde du sens de la destinée messianique des grandes figures féminines de l'histoire, voit une illustration de la force unificatrice potentielle qui sommeille en Israël dans la présence de Rachel, l'épouse préférée de Jacob, sur la route de l'exil. Elle n'est pas enterrée dans le caveau de Marpella parmi les patriarches, mais sur la route, afin, précise le Midrash, d'implorer l'Éternel en faveur de ses enfants condamnés à l'exil. C'est dans ce chapitre où la joie interfère avec la tristesse, où à travers les souffrances et les larmes jaillissent l'espoir et l'allégresse, que le Maharal distingue dans la catastrophe le vide, le creux par lequel s'engouffre le courant impétueux de la rédemption. Et c'est Rachel, la femme, l'épouse, qui constitue la force unificatrice. C'est par elle que s'affirme non seulement la continuité, mais encore l'intériorité profonde, le recueillement intime. Et c'est ce qui se passe avec Tamar dans cette histoire, parce que Tamar, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait jaillir une nouvelle dimension. C'est ça l'éruption, l'éclatement, c'est ça cette percée à ce moment-là. Elle continue le nom, elle redonne vie à la mort. Elle apporte les nouvelles forces que Yehuda n'avait plus à ce moment-là. Et c'est ce qui va donner la force ensuite à Yehuda d'aller, de retourner vers ses frères. Et au même moment, je crois que l'histoire de Yehuda et l'histoire de Yosef sont liées intrinsèquement l'une à l'autre. C'est parce que Yehuda a les forces de reconnaître que Joseph aura les forces ensuite de vivre l'exil.
je crois qu'il y a véritablement un équilibre et que le peuple juif, et ça, c'est aussi, c'est Jacob Gordin, il en parle, Edmond Flegg, il en parlait de cet équilibre qu'il y a entre Israël et la diaspora, et que les uns aident les autres, ça veut dire c'est vraiment une balance. Et la clé, alors regardez, d'abord, juste avant de vous donner la clé de l'histoire, puis on va peut-être s'arrêter quand même bientôt, mais c'est maintenant qu'on touche à ce qui est le plus intéressant. Alors regardez, juste avant d'arriver à la clé, pour cette histoire de l'exil. Alors, Jacob Gordin, lui, disait toujours, pourquoi on descend en Égypte? Pourquoi est-ce qu'il y a eu l'exil? Qui yesh shever bemitzrayim? Parce qu'il y a du grain en Égypte. Pourquoi on descend en Égypte? Parce qu'il y a la famine, il y a du grain en Égypte, il y a du grain à moudre, shever. Mais, Jacob Gordin disait aussi, pourquoi on descend en Égypte? Parce qu'il y a de la brisure, shever. Il y a quelque chose de cassé. Il y a des étincelles, des vases brisés qui sont en Égypte. C'est la raison pour laquelle il faut envoyer Joseph en Égypte. Il faut qu'il aille là-bas pour ramener ces étincelles-là. Et voilà, maintenant. Alors, moi, j'ai du mal avec la conception de Jacob Gordin sur l'exil qui dit que finalement, l'exil est nécessaire, qu'il faut l'exil. Il faut passer par là. Et je crois que c'est deux conceptions du temps juif différentes. D'un côté, on a cette conception qu'il faut passer par les Tolédotes, il faut passer par les engendrements et il faut passer par l'exil. Et que c'est seulement après tout ce trajet qu'on arrivera au messianisme, à la fraternité, au couple, etc., etc. Et puis, il y a cette autre conception du temps et de l'histoire juive qui dit, et c'est ce que disait le rabbi Lubavitch tout à l'heure, et c'est ce que vient aussi dire Tamar dans cette histoire, c'est que tout est possible maintenant. Ça peut arriver maintenant. Il y a une possibilité de ne pas passer par l'exil, de ne pas passer par tous les engendrements. Ça peut arriver aujourd'hui. Ça peut être maintenant, ça peut passer par moi, ça peut passer par toi, ça peut passer par Tamar, ça peut passer par Yehuda, ça peut même passer au sein du mal. N'oubliez pas que c'est passé par les filles de Moab avec Lot. Ça peut arriver, n'importe quand, n'importe où, n'importe comment en fait. Et les deux conceptions sont encloses dans l'histoire juive. Regardez aussi ce que dit, donc ça c'est André Neher par contre qui commente la pensée du Maharal sur l'exil. Ouais, alors attendez. Là, maintenant, ça tout se rejoint. On va mettre le puzzle en place. Et puis voilà, il me reste normalement une minute. Mais bon, je vais prendre encore 10 minutes et puis on finit là, d'accord? Alors voilà. Regardez. Sur l'obligation de l'exil. Comme quelque chose de nécessaire dont on a besoin pour faire venir le Messie. Voilà ce que dit Neher sur la pensée du Maharal, dans quelque chose qui n'a rien à voir. C'est un livre, alors c'est peut-être le sujet d'un cours qu'on fera ensemble sur David Gantz et le Maharal de Prague. Mais voilà ce qu'il dit, il parle à un moment donné des 10 tribus perdues, vous savez, les 10 tribus perdues. Et juste pour vous replacer vite fait le contexte où il écrit ça, il parle de la découverte du Nouveau Monde, les Amériques. Et dans la pensée juive du moment, il a trouvé chez David Gantz et Azaria Derossi, à ce moment-là, que peut-être la découverte de l'Amérique, c'était aussi l'occasion eh bien, de retrouver les 10 tribus perdues. Et peut-être que c'était un moment clé, un moment messianique, inscrit dans la visée messianique des choses et le plan divin. C'est comme ça qu'ils ont lu, en tout cas, la découverte de l'Amérique. Et voilà ce qu'ils écrivent. Donc, le monde nouveau, Olam Chadash, lieu de refuge des 10 tribus perdues. Olam Chadash, c'est le monde nouveau ultime, métagéographique, c'est le Olam Nivdal, le monde séparé, métaphysique, que nul homme n'atteindra jamais dans sa condition humaine, mais qui lui est assuré dans sa vocation méta-humaine. Superbe jeu de mots qui fait éclater soudain toute l'équivoque d'un problème mal posé. Car les 10 tribus ne sont pas perdues, elles sont séparées. Et l'ambiguïté du terme hébreu « nivdal »
qui signifie simultanément séparé et métaphysique, fait écho à l'ambivalence du Olam Hadash, qui est à la fois le continent nouveau et l'éon eschatologique. La séparation des 10 tribus n'est pas un accident de l'histoire dont la trace a pu se répercuter sur la carte du monde. Elle est inscrite dans le plan divin qui a introduit la cassure, la division, la séparation dans ce monde afin de mieux les surmonter dans la Hashlama, dans l'achèvement de l'autre monde. Elle est préfigurée dans la séparation de Joseph, dont sont issues les 10 tribus perdues, et de ses frères, qui n'était pas une situation, une séparation géographique, mais une séparation essentielle, ontologique. Joseph, vice-roi de l'Égypte, n'aurait-il pas pu facilement rejoindre ses frères restés en Canaan ? Il n'eût fallu aucune expédition maritime, aucune exploration de terre inconnue pour opérer la rencontre, mais c'est que la séparation de Joseph et de ses frères était voulue. Elle illustrait typologiquement la situation ultérieure du peuple juif, peuple boitant comme son ancêtre Jacob, peuple déchiré par une division interne comme ses ancêtres Joseph et Judas. Clopinement et déchirure inéluctable en un monde clopinant et déchiré dont Israël en tant que peuple est le symbole et le signe. Les retrouvailles de Judas et de Joseph sont inéluctables, elles aussi, mais elles ne se feront qu'au poteau de l'histoire, en ce monde nouveau où le nouveau ne sera pas géographique mais eschatologique, où l'histoire cessera d'être elle-même pour se dépasser en méta-histoire. Voilà, c'est une possibilité. Mais maintenant, moi, je vais vous donner une autre clé et finir là-dessus. Alors, l'autre clé, je l'ai trouvée en cherchant comment expliquer ce passage de Yehuda et Tamar. Et à force de chercher, eh bien, je me suis dit que tout simplement, quand je n'arrive pas à trouver le sens d'une paracha ou d'un passage, eh bien, qu'est-ce que je fais ? J'ai toujours le réflexe d'aller voir la Haftara. Parce que la Haftara, elle est toujours pensée pour aller avec la paracha et elle explique les choses de manière différente, puisque c'est avec les prophètes en général. Et donc, le prophète qui correspond à ce passage, à Vayeshev en tout cas, eh bien, c'est le prophète Amos. Alors, le prophète Amos, c'est toute une histoire, ça a peut-être aussi un autre cours sur le prophète Amos, mais en tout cas, il est cité dans la Haftara de Vayeshev. Pourquoi ? Parce que, en très gros, dans le prophète Amos, il est question de l'exil, beaucoup d'exil. L'exil de tous les peuples qui ont causé du tort à Israël, et l'exil de Joseph, et l'exil de Yehuda. Et une grande, grande partie du texte de Amos, eh bien, c'est bien fait pour vous. Tout ce que vous avez fait, c'était mal. Vous allez partir en exil. Vous allez payer. Voilà ce qui va vous arriver. Vous allez souffrir, etc., etc. Et puis, il y a la fin. La fin, la fin, la fin. Vraiment la fin de Amos. Vraiment à la fin. Voici ce qu'est la fin. Regardez ce qu'est la fin. Vraiment la fin d'Amos. Voilà ce qu'il dit. Toutefois, je ne veux pas exterminer complètement la maison de Jacob, dit l'Éternel. Mais voici ce que j'ai décrété. Je secouerai parmi tous les peuples la maison d'Israël comme on secoue le crible sans qu'un seul grain ne tombe par terre. Périront par le glaive tous les pervers d'entre mon peuple. Ceux qui disent le malheur ne saurait nous approcher ni nous surprendre. En ce jour, je relèverai la tente caduque de David, j'en réparerai les brèches, j'en restaurerai les ruines, je la rebâtirai solide comme au temps jadis, en sorte qu'ils recueilleront l'héritage des derniers Iduméens et des autres nations, eux qui ont été désignés d'après mon nom, qui accompliront tout cela. Voici, des jours vont venir, dit l'Éternel, où le laboureur se rencontrera avec le moissonneur, celui qui foule le raisin avec celui qui répand les semences. Les montagnes ruisselleront de mou et toutes les collines deviendront liquides. Je ramènerai les captifs de mon peuple Israël, ils restaureront leurs villes détruites et s'y établiront, planteront des vignes et en boiront le vin, cultiveront des jardins et en mangeront les fruits. Je les replanterai dans leur sol et ils ne seront plus déracinés du sol que je leur ai donné, dit l'Éternel ton Dieu. Et on a ici une prophétie qui fait se rencontrer le moissonneur et le laboureur. Et je crois que dans cette histoire,
Yehuda, c'est le semeur, enfin le moissonneur. Et Joseph, c'est le laboureur, celui qui va retourner la terre. Donc, c'est l'exil, en fait, la terre, pour ouvrir la terre. Et c'est la Gemara, c'est dans Shabbat, qui nous dit sur la Melacha, le travail justement de planter, qu'il y avait une tradition en Israël qui n'était pas la tradition des nations. En Israël, on avait l'habitude de labourer deux fois le champ. Pas une fois, deux fois. Pourquoi ? Parce que la première fois, eh ben, on ouvre la terre. Et la deuxième fois, on repasse pour que les graines s'enfouissent dans la terre. Et aussi parce que la terre d'Israël, eh ben, peut-être était plus sèche qu'ailleurs. En tout cas, c'était la tradition. Et donc, Joseph, lui, retourne la terre. Et Yuda va semer, va moissonner. Et le Machiar, c'est dans... Ça, c'est... Attendez, faut que je retrouve. Il est où? Ne bougez pas, parce que ça vaut le coup. Les étincelles qui sont ramenées par le peuple d'Israël qui est disséminé à travers le monde et qui va avoir cette faculté à se faire comme tout le monde à chaque endroit où il va être en exil, eh bien il va épouser la culture de l'exil où il est. Il va ramener ensuite toutes ces images de l'homme en Israël. Et c'est cette mosaïque des 12 tribus qui ramène chacun de partout où ils ont été exilés les 70 visages des nations qui vont former le visage de l'homme total, celui aux 70 facettes, celui qui ressemble à toutes les nations du monde. C'est, vous voulez être comme tout le monde, vous serez comme tout le monde. Et c'est le moissonneur des gerbes oubliées. C'était la phrase que je voulais vous lire, c'est la dernière phrase du livre de Néhémie sur prophètes et prophéties. Alors, le problème, c'est que comme je suis dans l'écriture de mon doctorat, il y en a partout, des livres. Et là, pour le retrouver, vraiment, je le retrouverai, c'est pas grave. Voilà, je crois que je vais s'arrêter là. J'ai lancé plein de pistes. Tamar, elle a ici un rôle vraiment clé. Il reste des mystères, il reste des choses qui ne sont pas expliquées, qu'on ne pourra pas expliquer. En tout cas, pas moi, pas à mon petit niveau. Mais surtout, ce qui est important, et je vais finir vraiment, ça, je finis là-dessus, c'est que je finis sur Lévinas, tiens, et l'importance du visage, puisqu'on est dans une période de masque. Et que pourtant, Tamar, elle porte un voile. Et pourtant, elle se dévoile à la fin. Et c'est parce qu'elle se dévoile, parce qu'elle prend le risque de se dévoiler, elle prend le risque de montrer son véritable visage, qu'elle va renvoyer à Yehuda sa responsabilité. Dans le visage de Tamar, Yehuda va discerner sa propre responsabilité envers son visage, envers l'importance qu'il a de la garder en vie, de reconnaître sa justice et de faire lui-même la justice. Et c'est grâce à l'espoir qu'elle a, Tamar, en elle, l'espoir en l'autre, l'invitation à Yehuda d'être à lui-même. Pourquoi est-ce qu'elle tient tellement à avoir un enfant de la maison de Yehuda ? Parce que Tamar, elle est cananéenne, elle vient de la maison du mal, entre guillemets, elle vient d'une maison dure. Et quand elle entre dans la maison de Yehuda, eh bien, elle est à ce moment-là, elle est réellement qui elle est. Elle est son nom, elle devient Tamar. Tamar, c'est la douce, c'est la date. Et c'est là-dessus que je finirai, vous connaissez cette phrase, tzadik katamar ifrar. Le tzadik, c'est comme le palmier qui va donner une abondance de fruits, justement de dattes. Et c'est Joseph. C'est Tamar et Joseph qui sont liés comme deux figures féminines et Yehuda qui va prendre la figure masculine et qui vont faire cette complétude à l'intérieur même d'un moment où on a l'impression que tout est perdu, on a l'impression que tout est fini et que tout éclate en morceaux, eh bien, dans le début de l'exil est déjà inscrit la fin de l'exil,
la Géoula. Et c'est pour ça que Jacob Gordin dit qu'il tient ça de son maître à lui, que la galoute bien, doit porter le nom de joie, que l'exil, c'est déjà la joie de la Géoula, de la rédemption. Mais aujourd'hui, même en exil, et même en Israël, et même maintenant, même à chaque moment, en fait, c'est ça qui fait qu'il peut venir maintenant, dans cette joie véritable. Voilà, alors, merci. On ne peut plus dire Shavuot. Alors, moi, je vous dis Shabbat Shalom. Bientôt, c'est Hanouka. Donc, on avait besoin d'espoir, on avait besoin de lumière. Merci beaucoup, Anna, pour tout ça. On peut faire quelques remarques. Oui, maintenant c'est votre tour. Allez-y. Merci, Diakhana. Moi, je voulais juste dire. Pardon, je peux ? Alors, dans l'ordre. On va faire comme à l'école. Attends, Johan. Comme à l'école. Je crois que c'est Hélène et Claude les premiers qui ont levé la main. Allez-y. Après, Suzy, c'est toi. Rapidement. Sur l'exil, quand Dieu annonce à Abraham que sa descendance ira en exil, je crois que c'est à ce moment-là qu'il dit qu'il reviendra avec de grandes richesses. Ces grandes richesses ne sont pas les bijoux et l'or que les Égyptiens ont donné aux Hébreux pour qu'ils quittent dans la précipitation, mais on dit que c'est justement ce qu'ils ont appris en Égypte, et comme dit professeur Rivlin, c'est toute la technologie qu'ils ont appris dans le pays de grande industrie qui était l'Égypte. Bien fait. Donc, les grandes richesses. Le deuxième point, je voulais juste souligner, c'est que vous avez parlé des femmes extérieures au peuple juif qui sont rentrées, qui ont contribué à faire venir Messie, et il y a l'exemple contraire. L'exemple contraire s'appelle Timna. Justement, oui. Et Timna, oui. C'est celle qui, princesse cananéenne, qui voulait rentrer et que Abraham a empêché de rentrer. Et tout qui a été le petit-fils de Timna, c'est Amalek. Exactement. Amalek. Bravo. Timna, c'est l'image opposée. Très, très juste. Toujours très juste. Alors, justement, tiens, et Beno Gross, il cite aussi, vous avez parlé d'Abraham, et il cite le Midrash, justement, rapporté par le Maharal, sur l'annonce de l'exil, déjà. Et voilà ce qu'il dit. L'Éternel dit à Abraham, « Sache que ta postérité sera étrangère dans un pays qui ne sera point à eux. Ils les serviront et on les humiliera durant 400 ans. Sache, précise le Midrash, sache que je les disperse, sache que je les rassemble, sache que j'aliène leur liberté, sache que je les affranchis, sache que je les asservis et sache que je les libère. L'exil et la libération sont annoncés dans le même souffle, indivisiblement liés dans le plan divin. » Et merci, en tout cas, Timna, c'est ça aussi, ouais. Bravo. Enfin, mais c'est à Timna que Tamar fait son œuvre. Eh bien oui, c'est ça. Ça fait vraiment écho, c'est-à-dire que c'est la réparation peut-être, ouais. C'est le Mashiach, c'est celui qui est capable de sublimer Amalek ou de le supplanter. Ou même de le combattre, puisqu'on a parlé tout à l'heure de Tsur Mera et Asetov. Tsur Mera, oui. De combattre et de l'éradiquer une fois pour toutes, quand même. Ouais, c'est ça, parce que Amalek, on peut pas le transformer. Autant tout le reste du mal, on peut justement le transmuer en bien, mais Amalek, c'est clair, il faut l'enlever. C'est bien le problème avec Shaoul. Shaoul qui devait faire Tsur Mera et qui n'a pas fait ça. C'était ce qu'il devait faire. Il était justement descendant de Léa, comme Yehuda. Oui, chez Mini. Ouais. Mais Nadine, c'était Suzy qui devait parler d'abord. Non, je n'ai plus rien à dire. Juste à te dire merci, c'est tout. Merci Nadine, à toi. Suzy, t'es où? Allume ton micro. Voilà.
Moi, je voulais revenir, Sarah, sur Anna, sur ce que tu disais là, cette notion de, du don des nations à Israël, parce que finalement, quand on voit le parcours de l'histoire juive, ça a toujours été des personnes extérieures, Ruth, la Moabite, Tamar, etc., qui ont fait jaillir cette dimension de vie. Et bon, ça m'a toujours fascinée, mais bon, c'est comme ça, quoi, je veux dire. Il y a plein de midrashim, j'en ai pas parlé, qui insistent sur la notion de conversion, qui disent que, autant chez Ruth que chez Tamar, qu'elles sont à ce point-là, elles veulent appartenir à la maison de Yuda, à la maison de Yaakov, c'est une conversion. Et c'est pour ça que... Mais le Mashiach va sortir quand même de ça. Oui, c'est pour ça que j'ai parlé aussi de mystère et de paradoxe qui est irréductible. Il y a des choses que je ne sais pas expliquer, en tout cas pas aujourd'hui. Peut-être jour, mais aujourd'hui, je ne suis pas en mesure, je n'ai pas le niveau d'expliquer ces choses-là. Il y a là quelque chose que moi, je ne comprends pas. Moi non plus. En tout cas, ça a été très riche ce que tu nous as dit et merci beaucoup, Anna. Je veux dire, par exemple, il y a cette idée aussi que il y a deux yéridotes ici. On a des yéridotes. On a la yérida physique de Joseph en Égypte. On a la yérida spirituelle de Yehuda, les deux en même temps. Et c'est seulement quand ils vont être les deux au plus profond, au fin fond de leur chute, qu'ils vont remonter et que le Mashiach va naître. Donc, il y a ici un mécanisme de la vie et de la méta-relation avec Dieu qui marche, mais qui en tout cas m'échappe pour l'instant. Mais j'imagine que C'est peut-être notre teshuvah à nous tous pour avoir le plaisir, le mérite d'avoir Mashiach, on va savoir. Ouais, je sais pas. Ce que je sais est d'expérience personnelle, parce que j'ai deux fils et que j'ai accouché deux fois. Et que j'ai senti que, en tout cas, comme beaucoup de personnes ici, j'imagine que quand on donne la vie, eh bien, on ressent après un vide qui est terrible et qui est très difficile à gérer après la naissance, alors que paradoxalement, on donne la vie. De la même manière qu'on est impur à ce moment-là, alors que pourtant, on a participé à ce moment-là à la chose la plus... incroyable, la plus simple, la plus proche de Dieu, justement. Alors, je crois que c'est la même, c'est à cet endroit-là qu'il y a la même chose aussi, cette chose-là. J'ai une amie qui est psychologue, psychanalyste, qui m'a dit que c'est la même chose qu'il y a entre la tension entre les deux pulsions, les pulsions de mort et les pulsions de vie, entre Eros et Thanatos, qu'on retrouve sous la forme du Yetzer et du Yotzer en hébreu. Mais quoi qu'on dise, je crois qu'il y a quelque chose qui échappe, quoi. Et c'est ça je crois que c'est ça qui laisse... Enfin, c'est ce que je répète toujours, c'est là qu'elle est notre liberté. C'est que parce qu'il y a quelque chose qui nous échappe, alors c'est possible. Nachon. Toda. Sinon, je veux dire, on est déjà capable de créer plein de choses monstrueuses. Et c'est aussi bien qu'il y ait des choses qui nous échappent dans tous ces secrets-là, qui ne sont pas à notre portée. Parce que sinon, déjà comme ça, c'est déjà vertigineux tout ce qu'on arrive à faire. Et Rana, je voulais te remercier. Johan. Un de tes plus beaux coups. Je n'ai pas pu écouter, mais ma femme était, depuis le début jusqu'à la fin, elle était accrochée. Donc un grand merci. On n'a pas entendu les enfants. Voilà. Non, j'étais couché avant. Deux points de réflexion. Le mot Tamar, à la fin, on en a parlé. Alors, moi, l'enseignement que j'avais appris, Tamar, c'est la mériroute, c'est l'amertume. Ouais. Et Tam, c'est quelque chose qui est plein, qui est chalem. Et donc, elle a la capacité, Tamar, de renverser, de prendre quelque chose qui est marre, quelque chose qui est amer, et de le rendre pur, de le rendre parfait, de le rendre Tam. C'est peut-être... c'est beau. Et puis alors, ça la relie complètement à Myriam. Parce que Myriam, c'est le même pérouche, c'est la même explication. Et Myriam, elle est celle qui fait jaillir de l'eau dans le désert. C'est vraiment la vie qui jaillit à ce moment-là, qui remplit.
Mais voilà, la particularité de Tamar, c'est surtout qu'elle vient de l'extérieur. Et ça, avec Ruth, c'est quelque chose de flagrant. Alors justement, à ce propos-là, une réflexion. Est-ce que finalement, tout ça, c'est les mères qui vont donner le Mashiach. Impression, tu vas me confirmer, que finalement, ceux qu'on va ramener vers Israël, qui vont rentrer et qui vont donner naissance au Mashiach, ce sera que des figures féminines. Et on n'aura pas forcément de figure masculine qui va venir et qui va s'inscrire dans le projet du Mashiach. Qui n'est pas d'Israël. Quoi. Ok, toi tu dis dans le projet du Mashiach, parce que j'allais te dire Yitro. Oui, Yitro, on a aussi dans les Chachamim, si je me trompe. Voilà, et plein d'autres. Ouais. Il y en a beaucoup, mais on dirait que chez le Mashiach, c'est forcément une des femmes qui vont, et pas des hommes, justement. C'est intéressant. Et une femme étrangère en plus. Oui, c'est vrai. Mais il y a quand même des hommes. Il y a quand même des hommes, il y a procréation, il ne faut pas les oublier quand même. Oui, mais c'est des hommes qui non, sont. Non, il a raison. C'est des hommes qui, entre guillemets, juifs, même s'il n'y a pas de judaïsme à l'époque, mais c'est qu'ils ont déjà ivrim. Ouais. Voilà. Alex, à toi, Alex. Alors, j'avais deux questions, mais pour rebondir sur ce qui vient d'être dit par Johan et toi, c'est que malgré tout, le prototype même de la convertie, c'est Ruth et pas Yitro. Elle représente quand même un symbole beaucoup plus fort. Que... Oui, c'est sûr. Encore qu'on aura l'occasion de parler d'Yitro aussi, bientôt. Mais alors, Yitro, c'est les deux. J'avais deux questions enfin, qui n'avaient sur ce qui a été dit par rapport à l'exil. Et moi, je l'apprends de mon maître, le Rav Ben Ezra, qui dit que, enfin, qu'il a pris, je pense, de Manitou, qui dit que l'exil, en fait, est une donnée ontologique presque. C'est la séparation de l'exil, du créateur et de la créature qui crée déjà ce sentiment d'exil, et il n'y a rien de mal, c'est pas une punition en soi, en tout cas le premier exil en Égypte n'a rien de donc négatif. C'est ce qu'il dit dans le Maharal, c'est ce qu'il y a dans le Maharal aussi, ouais, complètement. Et c'est ce qu'il dit aussi, oui, c'est pour ça qu'il nous parle de cette nécessité de l'exil comme quelque chose. C'est Jacob Gordin tout à l'heure, on a lu ça, il dit que c'est une réalité ontologique. Mais tu n'es pas d'accord avec ça, toi. Bah moi, ça m'embête, ouais. Ouais. Mais bon, c'est moi personnellement, quoi. J'ai toujours tendance à me dire que on pourrait arriver à toutes les mêmes choses sans passer forcément par la souffrance, sans passer forcément par les épreuves. Ah, mais la Torah donne la réponse. Cette nostalgie-là de me dire que ça pourrait être possible, de ne pas se tromper. Mais la Torah, elle te dit, je crois, dans Parashat Va'etranan, que s'il n'y avait pas cet exil-là, on vieillirait dans cette terre et on oubliera Dieu. Enfin, on a besoin de cet exil pour se rappeler aussi qui est Dieu. Vous avez la notion aussi de guerre des Toshav. Alors, si vous êtes guerre, moi, je suis Toshav et vice-versa. Donc, c'est un peu... Justement, on n'a pas cette... Par rapport, contrairement aux autres nations qui... Pour eux, c'est la mère patrie ou la père patrie. Nous, c'est un rapport d'époux, d'hommes et femmes. Et bon, il y a un contrat de mariage, quoi. Tu ne le respectes pas, divorce oblige. Oui, non, c'est sûr que... Mais cet exil-là... Alors, c'est ce qu'on a dit la dernière fois, le dernier cours. C'était un cours sur la contestation. Et j'ai parlé de la différence qu'il y a entre exil et exode. Et en hébreu, c'est la différence qu'il y a entre la galoute et le fait d'être méfouzar, la diaspora. Et c'est deux choses différentes, en fait. Parce que il y en a une, elle est voulue, elle est volontaire. Celui qui est en diaspora, il a choisi, il est content de son sort, il veut le rester, même s'il a la possibilité eh bien, de revenir en Israël, par exemple. Alors que celui qui est en galoute, celui qui est exilé, il est forcé, il n'a pas choisi, et c'est une situation qui est douloureuse, qui est une situation de souffrance, qui est une situation pas normale, et à laquelle il aspire de trouver une fin. Et ça, c'est une chose. Et deuxième chose,
Et ben, ce qu'on avait dit aussi la dernière fois, c'est que tu peux vivre sur la terre d'Israël en continuant à être en exil tant que le royaume ne sera pas construit, que la Jérusalem d'en haut et la Jérusalem d'en bas, elles ne feront pas qu'une. Donc, c'est pas une justification de la galoute physique, de l'exil physique en tout cas. Et c'est ce qu'on voit aussi ici avec Yehuda justement. C'est que autant Joseph, il va partir en galoute physique et ça va être un échec puisqu'il va falloir qu'il en revienne et puis parce que ça ne va pas marcher, parce que ça va même très mal se finir, ça va se finir dans un bain de sang quand même, hein, il faut bien le rappeler. Autant Yehuda, il va sortir de son exil métaphysique et psychologique grâce à Tamar justement et devenir le roi, le chef Yehuda, le chef d'Israël. Donc après je suis pas objective, moi j'habite en Israël, j'ai fait mon alia avec c'était une avec décision volontaire et voilà, et je suis sioniste. Moi, j'ai une petite question. Tu as dit Goukalout et diaspora. Moi, ouais. La diaspora, c'était tout. C'est diaspora, c'est en français. Galout, c'est en hébreu. Oui, mais alors, c'est Jacob Gordin qui fait le distinguo entre les deux et il les traduit par Mefouza et Galout. Oui. C'est dans son. Si ça vous intéresse, c'est l'article sur la galoute dans le livre écrit de Jacob Gordin. Oui. D'accord. Et alors maintenant, l'autre question, quel est le rapport avec le fruit Tamar et le fruit qui s'appelle Tamar et Tamar? Oui, la date. Ben, la date, c'est quelque chose d'abord. C'est quelque chose qui est très doux, c'est le miel. C'est ce qu'a dit Johan. Il a dit Johan. Oui. Johan, il nous a dit autre chose. Là, tu demandes quel est le rapport avec le fruit. Alors, moi, le rapport que j'ai trouvé, c'était le rapport avec Yosef Hatzadik. Mais c'est vrai que c'est un peu un jeu de mots. Maintenant, on peut imaginer plein de choses. Justement, Tamar, c'est un fruit d'Israël aussi. Donc, peut-être que c'était un fruit qui était tombé de l'arbre et qui est venu se rattacher au tronc. C'est très beau aussi comme explication, mais après, c'est bon, je sais pas, c'est un peu de la littérature, quoi, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est très joli. Merci pour ton cours, il était vraiment très enrichissant et très, très bien, comme d'habitude. Merci Myriam, ça va? Ça fait longtemps aussi qu'on ne s'est pas vu. Hein. Sur Tamar, c'est que tu n'as pas trop insisté sur les voies pas très orthodoxes, finalement, elles ne rentrent pas... Dans le Hamfrey, c'est l'ancêtre du Mashiach, mais pas par des voies les plus orthodoxes qui soient, et elle est présentée comme une veuve noire, hein, malgré tout. Hein. Alors, tu as les Midrashim que tu as cités, qui disent que les enfants n'ont pas voulu, les enfants d'Yehuda n'ont pas voulu leur donner de la semence. Hein, mais c'est voilà, quand tu lis le texte, ben bon, c'est une veuve noire. Quoi. Oui, mais alors ça tous les commentaires, ils sont catégoriques là-dessus. C'est la faute de Yehuda d'avoir pensé ça. C'est une faute d'avoir pensé, d'avoir identifié la mort à, et d'avoir mis, rejeté la responsabilité sur Tamar, sur la femme. Sur la misère, en fait, ça, c'est l'injustice la plus totale, de relier la maladie et la misère, de dire, voilà, celui qui est responsable, c'est celui qui est... c'est lui qui est responsable, c'est elle qui est responsable, parce qu'elle était là à ce moment-là, et parce que... Ça, c'est l'injustice la plus totale. Ça, c'est vu comme une faute. Et c'est pour ça qu'ils meurent. Ça veut dire, c'est même le jugement de Dieu, c'est le jugement divin. C'est pour ça qu'ils vont mourir l'un après l'autre. Et Yehuda, c'est une faute qu'il fait de pas donner à Tamar son troisième fils. Donc, tous les commentaires sont catégoriques là-dessus et sont unanimes. Les seuls qui vont peut-être critiquer Tamar, justement, ça va être dans les exégèses chrétiennes.
Mais Tamar voulait vraiment avoir une lignée de Yehuda et pas de ses fils. J'ai vu ce midrash, mais je ne me rappelle plus quoi. Elle voulait vraiment avoir une lignée de la part de Yehuda. Donc, peut-être que, comme tu dis, Akadosh Baruch Hu l'a entendu et ça s'est fait, quoi. Ah, oula. Ça complique beaucoup de choses. Oui, mais bon, j'ai vu ça nulle part. Non, j'ai vu ça nulle part. Vraiment, ça veut dire. Il faudra revoir toutes les parachutes et tout ça. On en saura davantage. Il faudra que je relève. Non, la seule chose qui est véritablement, si on réfléchit, la seule chose qui est peut-être limite dans cette histoire de Yehuda et Tamar, c'est, en tout cas en ce qui concerne Tamar elle-même, c'est le fait d'utiliser un subterfuge, de se déguiser. Ouais. Mais on a vu ça juste avant. Je veux dire, c'est la bracha, comment il a volé la bracha. C'est exactement la réplique de l'histoire de Yaakov. Ce qui s'est passé se repasse autrement, mais c'est vraiment la même chose. Et ça, encore une fois, eh bien, c'est dans Amos, pareil, qui dit que voilà, quand... je ne vais pas vous lire le passage exact, mais vous verrez là-bas, Amos dit, quand les justes ne sont pas justes, quand il n'y a plus de tribunaux, droit, quand tous les juges ont été achetés au pays des voleurs et des menteurs, les justes pour survivre doivent eux-mêmes mentir et tromper. C'est un devoir. Et celui qui continue à faire le pur et l'innocent et à se faire rouler dans la farine, il est coupable. C'est-à-dire que si tu continues à fermer les yeux quand tu es dans un endroit de trompeur, c'est toi-même qui es coupable de rester, de te faire victime, en fait. Et donc, Tamar, elle a fait ce qu'il fallait. Et ça, c'était sa force, parce qu'elle vient d'une famille, c'est un peu comme l'histoire de Rivka, Yitzhak et Rivka. Rivka, comment ça se fait qu'elle est tellement... Elle vient de la famille, justement, elle vient d'une famille aussi qui est extérieure, elle vient d'une famille de trompeurs et de menteurs, d'idolâtres. Voilà, d'idolâtres. Donc, elle est dure, elle a l'habitude de tout ça, elle a l'habitude des menteurs et des trompeurs. C'est elle qui va protéger Yitzhak. Et c'est elle qui, justement, va trouver cette histoire, va trouver va discerner les choses, parce qu'elle a l'habitude, elle le reconnaît. Et c'est pareil chez Tamar, c'est parce qu'elle est venue de cet endroit-là qu'elle sait comment faire pour contourner le mal, pour en fait vaincre le mal à son propre jeu en utilisant ses propres outils. Il y a là aussi une leçon, c'est comme quand on cherche un virus et qu'on inocule la maladie pour soigner. Mais excuse-moi, mais moi je pensais à un autre midrash. Justement, on dit que Abraham préférait prendre une fille pour son fils, Isaac, même dans une famille idolâtre, plutôt que prendre une étrangère. Alors que tout ce qu'on dit dans toute cette histoire, enfin tout ce que tu nous as dit de très beau, finalement, ce sont des femmes étrangères qui véhiculent, c'est ce don des nations au peuple d'Israël. C'est celles qui font jaillir un peu une nouvelle dimension. Alors, c'est pour ça que ça me perturbe un peu, puisqu'Abraham, le Midrash dit qu'en fait, il vaut mieux que ça soit quelqu'un de la famille, même si c'est une famille qui est rachat. Alors, il y a deux réponses possibles. Première réponse, je comprends. Première réponse, je crois que c'est quelque chose que j'ai lu chez Manitou et dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est qu'avec Abraham, il y a quelque chose qui est en train de se former et on est en train de trier pour arriver à un jour à créer le peuple juif. Mais à partir de Yaakov, à partir de Joseph, c'est différent. Ça y est, ils sont là. Il y a les 12 tribus. Donc après, il faut faire venir des autres personnes d'ailleurs, parce que il faut bien qu'ils se marient avec quelqu'un. Il y a un midrash qui raconte qu'ils ont des jumelles. Mais l'autre version du Midrash, ça raconte que c'est des Cananéennes qui prennent comme femmes. Prendre des femmes, quoi, d'une manière ou d'une autre. M'en vais, moi. Myriam, bonsoir. Bye, Myriam. Bye.
Yaël, sur un point que vous avez évoqué, aussi, l'imperfection qui générait la perfection avec les jumeaux. Oui, oui. Le problème du renversement de l'alliance des contraires. Ouais. Je pense qu'il y a un parallèle dans la paracha Choukat. Oui, oui. Que celui qui s'occupe de la préparation, de tous ceux qui s'occupent de la préparation des cendres de la vache rousse, qui doit apporter la pureté, eux deviennent... Tout à fait, tout à fait. Tout donc, à fait. Il y a là quelque chose du même ordre, de cette dialectique qu'on retrouve. Ouais, ouais, ouais. Mais en plus, je crois que vous avez une intuition très, très belle, parce que d'après ce que je me rappelle dans tout ce que j'ai recherché, c'est dans Midrash Rabbah, qui a le même parallèle, justement, qui dit que Tamar, c'est la pure comme la vache rousse. D'accord. Ouais, donc, c'est ça, c'est ça. Oui, parce qu'il y a tout ce jeu avec... des choses qui semblent impures, genre l'histoire de se déguiser en prostituée, etc., le rapport entre les deux et tout, et puis après on dévoile en fait que c'est pas ce qui n'y paraît. Je sais pas, enfin il y a des choses qu'on pourra pas expliquer. D'où on est voilà, Choukat, justement, Choukat, c'est vraiment le passage, c'est parmi les mitzvot qu'on peut pas expliquer, on peut pas comprendre comment ça marche. Toda Rabba, merci beaucoup, Chana. Merci, ouais. Salut, salut. Bye bye. Chodesh Tov. Chodesh Tov.